les gars, Darking pour une nouvelle vidéo sur Palladium. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo les gens, j'ai ouvert plus de 2000 graines en endium. Enfin j'ai cassé plus de 2000 graines en endium dans cette vidéo. Vous allez voir si j'ai réussi à avoir des endium nuggets. Bref, pour cette vidéo les gars, j'aimerais vraiment, mais vraiment, vraiment atteindre les 1000 likes. Ça serait juste fantastique. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait juste super plaisir. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est ça qui fait avancer la chaîne les gens. Beaucoup de monde oublie de s'abonner à la chaîne alors qu'ils regardent les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout en activant la petite cloche des notifications. Ça vous facilite la tâche pour retrouver toutes mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas. On est bientôt aux 42 000 abonnés. Je voulais avoir les 42 000 abonnés avant avril, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Oubliez pas de partager la vidéo, de commenter la vidéo. Les gars, n'hésitez pas à commenter ces vidéos. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, les gars, je vous fais gagner quoi. Je vous fais gagner un stack de blocs de palladium. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, de partager la vidéo. Et moi je vous laisse, c'était Darking. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bon les gars, souvenez-vous dans la vidéo où j'ai acheté toutes les graines en endium, donc l'échange le plus extraordinaire, il avait encore énormément de graines en endium sur lui, je crois qu'il en avait encore 2-3 stacks. Je lui avais dit que j'allais pas lui prendre parce que c'était trop pour moi et j'avais plus de monnaie. Regardez en money je suis maintenant à combien, je suis à 83 000 $. Donc du coup je vais les prendre aujourd'hui dans la vidéo. Pourquoi? Car j'ai calculé avec la petite machine qu'on peut débloquer quand on est level mineur 15, je vais pouvoir transformer mes fruits en endium en nuggets en endium, et avec toutes les graines que j'ai, je vais pouvoir avoir au moins 17 nuggets endium nuggets. Donc par contre j'ai juste ça qui me sert pas à grand chose, ça aussi, voilà, ça me ouais ça. Voilà, tac, donc du coup voilà, nickel. Oh yes, 3 stacks de plus en graines en endium. Du coup ouais, on en a 192 en plus, ça c'est vraiment cool. Et mes G en K et 54 en plus, yes, du coup 246 graines en plus. Et je vais lui devoir 2 460 000 $. Donc c'est un crédit que je lui fais. Merci à toi en tout cas. C'est un crédit que je lui fais. Donc du coup je vais essayer de le rembourser après l'opening, quand je vais avoir fait mes endium nuggets et tout ça. Donc je vais pouvoir peut-être me faire des endium ingots avec tout ce que j'ai. Enfin bref, ça va être vraiment le feu. Donc attendez, on va juste mettre les graines endium dedans. Regardez-moi ça. C'est insane, c'est vraiment insane. Je pourrais mettre tout mon under chest avec toutes les graines endium. Le home coffre, est-ce qu'il s'est fait piller le home coffre? Attendez, on va mettre les pics en palladium, voilà, home. Et le home coffre, non, ce n'est toujours pas fait piller. Donc c'est vraiment cool, par contre là c'est très 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 bien. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stacks ici. Et là j'en ai 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, j'ai 35 stacks. 35 stacks de Orange Blue Seeds, ça équivaut à 35 x 64, à 2240 graines, c'est vraiment énorme. Donc attendez, là je vais aller au slash lobby, au cas où que ça bug et que bug de synchronisation, vous voyez avec les Indium Ingot on a tellement vu, on va voir ça. Attention. Oui, ils y sont toujours. Bon, au moins, j'ai pas l'impression que ça va pouvoir clear. Enfin, j'espère pas. Et on se retrouve juste après pour poser nos graines en endium. Ok, les gars, donc pour mettre mes 31 stacks de graines en endium, il va me falloir énormément de fertilizer dirt. Hein, c'est normal. Du coup, putain, les gars, j'ai trop de choses. On va aller au. Ah, mais attendez, mais au pire, je peux mettre tout ça dans mon home base. Y a pas de souci là-dessus. Donc, merci en tout cas à l'anarchie. Ils m'ont déjà donné 44 fertilizer dirt. Même si ça va pas être assez. Tac. Ok, donc slash market. Je vais tout simplement prendre des fertilizer dirt que j'ai vu là à 10 000 $. Donc voilà, 10 000 $ le stack, c'est plutôt cool. C'est vraiment énorme, hein, c'est vraiment vraiment énorme. What? Pour avoir beaucoup de fertilizer dirt. Je vais essayer de demander à ma faction de me dépanne en money. Ok, j'en ai acheté un 8 000. Ok les gars, donc avec Astico Soyeux, on va pouvoir faire un échange de 17 stacks de fertilizer dirt contre 70 000 $. Vraiment cool. Donc voilà, on va tout de suite aller là. Donc 17 stacks, c'est cool. On va pouvoir mettre toutes les graines indium. On va pouvoir les planter hein, tout simplement. Donc Astico Soyeux, il est là, viens par là. Donc ça, je paye Astico Joyeux, 170 000. Du coup maintenant c'est cool. J'en ai 1986 en fait. Ah non, j'en ai 2114 et j'ai 2200 graines en endium. Bon, en fait je vais lui demander encore 2 stacks parce que le seul problème c'est que du coup maintenant je suis à 2114 et j'ai 2200 graines les gars. Donc ça va être un peu compliqué, j'ai pas envie de laisser 90 graines comme ça. J'ai vraiment envie de tout planter pour avoir un maximum de chance. Donc voilà, on va tout simplement attendre qu'il nous amène nos 2 derniers stacks. Bon les gars, là je suis en pleine séance de minage parce que pour mettre 2000 graines en endium, il faut que je mine 8 chunks. Voilà, 8 chunks x 256, ça fait environ 200
2100 blocs. Donc voilà, là je vais tout simplement me crever, tout simplement parce que c'est ultra chiant. C'est ultra chiant, j'en ai déjà marre. Putain, mon dieu. Et voilà les gars, c'est bon, j'ai miné mes 8 chunks. Donc là, il y en a 2 ici. Il y a un 3ème là, 4ème là, 5ème là. Et là, du coup, un 6ème, un 7ème et un 8ème ici. Donc 8 chunks, donc ça fait ça environ. Donc là, il va y avoir toutes mes graines en endium. C'est énorme, hein, du coup, c'est vraiment énorme. Maintenant, il manque plus qu'à mettre la fertilisateur dirt. Et j'y viens de remarquer un truc, c'est que si on met la fertilisateur dirt comme ça, il faut de la lumière pour que les graines poussent. Donc je vais devoir mettre des trucs comme ça. Et je vais pas pouvoir. Enfin bref, vous avez compris. Donc je vais devoir encore miner tout le sol. Chiant, très chiant. Donc les gens, moi je vous reprends dès que j'ai enfin mis la fertilisateur dirt et que j'ai cassé tout. Enfin dès que j'ai mis la fertilisateur dirt. Bref, à tout de suite. Et voilà les gars, c'est bon, j'ai fini de labourer ma terre fertilisée dirt. Donc là, voilà, vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup de lumière, enfin de torche. Je vais mettre mon casque et voilà. Maintenant, j'ai juste plus à aller à mon home base, mettre tout ça dans mes coffres. Nous allons aller au slash spawn. Nous allons prendre les graines en endium. Et oui putain les gars, j'en ai tellement de graines en endium, c'est énormissime. J'en ai 1287 ici. Et là dedans j'en ai, et bah j'ai presque un double coffre en fait. En fait voilà, voilà mon inventaire de, putain mec c'est juste énorme. J'ai 2247 graines en endium. On va aller au home endium. Et voilà, et nickel. Et maintenant les gars, bon il risque pas d'avoir énormément de coupures parce que j'ai vraiment envie de faire ça avec vous. Je vais tout simplement mettre les graines en endium. C'est juste, pouah, les gars, c'est juste énorme de mettre des graines en endium, les gars, c'est juste énorme. Putain, et en vrai, les gars, ça représente énormément de boulot, hein. Mais pour celui qui me les a vendus, c'est énorme. En Ankacraft, déjà, gros dicasse à toi, parce que sans toi, j'aurais pas pu avoir 2000 graines en endium. Et puis après, les gars, ouais, après, fallait sortir l'argent, hein, les 15 millions de dollars. Voilà, pour avoir 2200 graines en endium, c'est énorme. Hop, donc il y en a déjà presque, il y a 2 stacks et demi qui ont déjà été mis. On est encore à plus de 2000 graines en endium dans l'inventaire. C'est bon, 2000 graines tout pile sur moi là, j'ai 2000 graines tout pile. Attendez, j'essaie de faire s'il vous plaît. Voilà, j'ai 2000 graines là-dedans. En vrai, les gars, mon inventaire était rempli. Vous imaginez, les gars, ce que ça représente? J'avais fait une vidéo il y a 2-3 mois, maintenant il y a 4 mois, où j'avais mis plus de 1000 graines en endium. Bon, j'en avais 900 et quelques, j'ai arrondi à 1000. Mais là, j'en ai 2000, là, j'en ai 2200. Voilà, et j'avais réussi à avoir un endium nugget. Donc, si là, je peux avoir, voire même 2 endium nuggets. Et de ce que j'ai compris, ils ont augmenté les pourcentages de chances d'avoir des endium nuggets. Donc, si j'arrive à en avoir 3 déjà, ça serait juste magnifique. Magnifique. Avoir 3 endium nuggets, ça serait énorme. Putain, après, il va falloir que tout pousse. Ça va foire. Dire qu'il y a 4 mois, les gars, quand j'avais 50 graines en endium, j'étais content. Je disais, ouais, je vais avoir des endium nuggets et tout ça. Et là, maintenant, bah, je me retrouve avec 2000 graines. MDR. Bon, voilà, déjà, une très grosse partie de mise. Enfin, pas une très grosse partie, mais il y a quand même beaucoup de graines endium qui ont été posées. Donc, c'est déjà très bien. J'espère que j'ai mis assez de fertilisateur dirt pour accueillir mes graines en endium, parce que si j'en ai pas assez, je sais pas comment je vais faire. Normalement, ouais, je pense que j'en ai mis assez. Ah, mais j'ai l'impression de faire mon level 20 farmer à remettre toutes les patates et tout ça. C'est très perturbant et c'est très chiant aussi de poser tout ça. Mais après, c'est que de là, c'est que de la joie de faire ça, parce que en vrai, les gars, quand tout va être poussé, ça va être, waouh, ça va juste être magnifique. Ok, donc voilà, dernière ligne droite pour tout poser. Après, s'il me reste encore un ou deux stacks de graines en endium, ça me déplairait pas non plus, parce que, bah, au moins, je vais pouvoir refaire une petite vidéo pour ouvrir peut-être 500 graines, si j'ai le temps de farmer. Je pense qu'il va m'en rester une centaine de graines, je pense. Oh, quoique, ah, quoique, peut-être pas, en fait. Peut-être que j'ai mis le bon nombre, hein, peut-être, on va voir. J'ai dit qu'il m'en reste une centaine. Il m'en reste 201 graines. Et ouais, bah c'est bon. Il me reste 201 graines. C'est-à-dire, il me reste 3... 2, ouais, non, il me reste 3 stacks, ouais. 3 stacks et 9. Voilà, les gars, c'est bon. Tout a poussé. C'est génial. Enfin, tout, non, pas tout. Et voilà, il reste une ou deux graines ici ou là. Donc là, par exemple, il reste... Ah bah là, attendez, il y a... Donc voilà, toutes les graines où ça pousse pas, je vais pas les casser. Mais c'est parti. On va casser toutes les graines où déjà, ça, bah, ça a poussé, hein. Donc c'est parti. Un petit instant pub pour vous dire qu'il y a 64 blocs de palladium à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, de liker la vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un objectif de 1000 likes, donc j'espère vraiment les avoir. Et de t'abonner à la chaîne. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est super important. Et moi je vous laisse sur l'ouverture des graines. En espérant d'avoir des nuggets en endium. Putain les gars, je stresse quand même un peu parce que j'ai quand même envie d'avoir des nuggets en endium. Il y a quand même plus de 2000 graines ici. Voilà, c'est pas pour rien avoir que j'ai farmé 2000 graines. Donc c'est parti les gars. Déjà on a récupéré 6 graines en endium. Bientôt on va pouvoir se faire déjà notre premier nugget en endium avec la machine. Donc c'est déjà très bien.
Ok, donc là on est déjà à deux stacks de graines, donc on a déjà un Indium Ingot avec la machine. Hein. Faut pas oublier, on en a 2000 à casser, donc on a encore le temps, hein, on a vraiment encore le temps. Mais bon, j'espère au moins avoir un Indium Nugget assez rapidement pour au moins que ça soit assez rentabilisé mes dépenses. Enfin, non, parce que j'ai dépensé 15 millions de dollars. Mais au moins avoir un Indium Nugget grâce aux farms, ça serait quand même très 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 bien. On a cassé déjà pas mal hein, des graines là, et on a toujours rien. Toi tu casses, il y a toujours rien. Ok, je sais pas combien, on en a cassé 373 de graines là déjà. On a déjà cassé 373 graines, 400 maintenant. Ouais, j'espère avoir le nugget en indium assez rapidement là. Vas-y, je casse deux rangées comme ça. Et voilà, 1000 graines de cassé les gars, toujours rien du tout. What? Et moi qui voulais avoir deux indium nuggets, bah putain. J'ai l'impression que si j'ai déjà un indium nugget, c'est déjà une heure extraordinaire. J'ai un stack déjà de graines en indium. Mais toujours pas de nuggets. What the fuck? Non, ça fait déjà 1000 graines que j'ai cassées. Non, les gars, arrêtez. Je vais pas croire à ça, les gars. Arrêtez. Je vais pas croire en cette blague de merde. Eh, vas-y, mais niquez-vous. Niquez-vous. Je casse comme ça, je m'en bats les couilles. Ah, c'est bon! Oh, enfin! Enfin, un Indium Nugget. Mais putain, mais bordel, il en fallait combien de graines que. Pour... Vas-y, c'est bon, je casse comme ça, j'en ai rien à foutre. Rien à battre. Putain, mais j'ai eu mon premier Indium Nugget au bout presque de 2000 graines, ils se foutent de ma gueule. Oh, deuxième! Yes, c'est bon! Oh, ouh, yes, putain, les gars, j'ai tellement eu peur. Enfin, le deuxième Nugget. Et peut-être un troisième qui va se pop. On sait jamais, hein. Peut-être un troisième, hein. Je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Non, pas d'Indium Nugget qui a pop. Troisième Indium Nugget. Et du coup. Oh, et du coup, je vais perdre beaucoup de choses là. Ça s'est joué sur la fin, hein. Putain, j'ai eu peur. Donc ce qui fait que là j'ai 1968 1968 orange blue, donc de fruits. J'ai deux Indium Nuggets, par contre normalement je devais pas en avoir. Ah non, bah non, j'en ai pas 2200 vu que j'en ai mis que 2000. Donc mais normalement je devrais en avoir presque 2000. Bon tant pis. Moi j'en ai 1968, donc avec 1968 divisé par 128, du coup parce qu'il faut 128 graines, 128 fruits pour se faire un Indium Nugget. Je peux me faire 15 Indium Nuggets avec tout ce que j'ai là, plus 2 Indium Nuggets ici. Donc je peux me faire un lingot en Indium. Oh putain, les gars, il manquerait un nugget en Indium pour me faire deux lingots en Indium avec cette récolte. On fera ça dans le prochain épisode. En tout cas, là, les gars, on va faire la conclusion de cette vidéo parce que c'était quand même une vraie bonne vidéo. On a cassé 2000 graines en Indium. On a eu deux nuggets en Indium. Franchement, c'est vraiment pas fou pour 2000 graines en Indium. Avoir deux nuggets en Indium, c'est pas fou. Mais bon, voilà, pas grave. Et puis, nous, les gens, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Enfin, pour la conclusion de la vidéo, surtout. Et voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oublie pas de t'abonner à la chaîne. Franchement, les gars, c'est super important que vous abonniez à la chaîne. Bientôt, les 42 000 abonnés, de partager la vidéo, c'est ça qui fait avancer la chaîne, de commenter la vidéo, et moi je vous laisse, c'était Darking, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.